Le sixième tour de Guadeloupe cette année, c'est aux Saintes, avec le CDGRP et Stéphane, bien sûr. Embarquement matinal à Trois-Rivières, sur le Miss Caraïbes, pour une arrivée à l'Anse des Mûriers, à Terre de Bas, où nous allons passer 2 jours. Une petite marche nous permet de voir les jolies maisons et leurs jardins. Et nous conduit à la salle municipale, gentiment ouverte pour nous par le comité du tourisme. Bientôt, on déballe nos sacs pour prendre un petit café. Cholette est toujours notre partenaire privilégié pour la machine à café, qui n'a plus de secret pour Stéphane. La première randonnée part de la plage de la Grande Anse. C'est la trace des falaises. Le sentier rocailleux serpente entre les mansonniers et tout au nord, on aperçoit un petit îlet, le Pâté. Et n'oublie pas de refermer cette porte, elle est là depuis très longtemps. Nous sommes accompagnés par Gabi, incontournable spécialiste de l'île, qui va nous renseigner sur les plantes, merisier, goyavier bâtard et autres bois chandelles. On croise 2 mares. L'endroit a été habité, ainsi que le témoigne cette citerne, vestige de l'habitation welsh. Des pauses sont nécessaires dans la montée du Morne Sec qui porte bien son nom. Sur les plantations, au milieu du XVIIe siècle, l'île est centrée sur la production de vivres, maïs, pois, dans des plantations isolées. Le XVIIIe siècle voit de nouvelles cultures apparaître, indigo, cacao, café. Napoléon en raffolait. Dans la descente, de belles mares sont entourées de fougères dorées et habitées par des tortues molokoï. On croise de beaux arbres de forêt sèche et le fameux bois d'Inde. Bientôt, on rejoint la route enlacée qui descend vers les petites anses. Le pique-nique se fera à la mare Grand Trou. Elle alimenta longtemps la population en eau douce jusqu'à l'installation d'une conduite depuis la Guadeloupe. Iguanes et poules d'eau nous font un beau spectacle. Parmi les follets, ce sont ces petits nénuphars. L'après-midi, nous montons le morne du col, bien aride sous la chaleur. Tiens, encore une mare, et nous découvrons bientôt un magnifique panorama sur Terre de Haut. Impassible, un gligli nous surveille. Enfin, c'est l'arrivée à la plage de Grande Anse pour monter les tentes ou les hamacs et se baigner. Après l'apéritif traditionnel avec le maire, au rhum Bologne bien sûr, le repas, pâte bolognaise et yaourt, sera pris dans la grande salle.